Commence le con. C'est bon, j'ai partagé l'écran, c'est bon. Oui. Vous entendez bien? C'est Oui, bon. ici. C'est Tu bon, ça. vois? C'est bon, c'est bon. Oui, c'est bon, cher. Bon, on démarre le cours par les généralités. Votre mission en tant que master 2, ingénieur de TAJFAK et de conception et dimensionnement d'une installation de chauffage de moyenne grande puissance et d'opération de confinement de maître d'œuvre. Maître d'œuvre, c'est par exemple, c'est le responsable de projet, c'est par exemple le directeur de l'hôtel, de la direction que veut réaliser le projet pour vous. Bon, c'est confié de maître d'œuvre à un bureau d'ingénieur dans le cadre du marché. C'est normal. Le maître d'œuvre fait un cahier de charge, une soumission pour avoir un période d'étude qui fait l'étude et la conception de projet. Ce période d'étude va réaliser l'étude de projet d'après des spécifications techniques détaillées. Par exemple, votre mission est d'établir un devis estimatif, descriptif et un plan d'exécution opérationnel. Dans ce plan, vous détaillez par exemple, dans ce plan, il y a le chaudière, par exemple, le début de chaudière, la puissance, vous avez des pompes, vous mettez les caractéristiques des pompes, les débuts, les HMD des pompes, les radiateurs, par exemple, la puissance des radiateurs. Si vous êtes concerné que des études, vous avez le critère en tant qu'ingénieur d'études. Si vous êtes le critère en tant qu'ingénieur installateur, votre mission est le choix des équipements. De lire bien les plans, parce que des fois, vous avez des plans erronés. Par exemple, il met un tuyauterie dans un poutre. Vous trouvez tout sur la réalité, sur le pratique. Bon, d'établir les spécifications techniques détaillées et les plans d'exécution d'ouvrage à l'attention de l'entrepreneur qui a les ans de l'installation. Des fois, les bureaux d'études faire des réunions avec les architectes, les génies civils pour prévoir, par exemple, pour prévoir des forums dans les murs pour transférer pour mettre les tuyaux d'eau chaude, par exemple. Les études du projet des débutants débutent par la caractérisation thermique de l'enveloppe du bâtiment. C'est normal. Au début de tout projet, il faut définir les caractéristiques des murs que vous avez à partir de quelques partitions que vous avez étudiées au module de règlement thermique. S'il y a un défaut au niveau de mur, vous proposez à l'architecte d'ajouter un isolant thermique. Bon, le choix des modes de protection, vous êtes les experts dans votre domaine. Ne laissez pas la mission de choix du système à l'architecte, parce qu'en Algérie, l'architecte, les lois qui est en général, c'est le chef de période d'études qui connaissait tout, mais ce n'est pas son domaine. Si vous, les experts, normalement, vous êtes
de proposer soit un système de climatisation, de chauffage, de proposer est-ce que vous installez des CTA, des ventilateurs convecteurs ou simple système de chauffage. Vous êtes les responsables. Les études à partir du choix de l'architecte en matière de l'isolation, le choix des modes de protection de chauffage et de sanitaire et des modes de ventilation sont effectués avec les maîtres d'œuvre, les maîtres d'œuvre et d'ouvrage. Les maîtres d'œuvre sont les gens qui ont le projet, par exemple, les responsables d'un hôtel ou d'une administration. Maître d'ouvrage, c'est normalement le bureau d'études. Une étude de patrimoine au sens de réglementation peut être entreprise avant d'apporter les différentes phases suivantes de conception et de dimensionnement de l'installation. Vous entendez bien? Est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez pas à poser des questions. Choix technique. Bon, au premier lieu, vous avez l'émission, le choix des types d'émetteurs, statiques ou dynamiques. Le mode de distribution, bitube, monotube. Gamme d'émetteurs d'organes de récréation, pénétrés, collecteurs, distributeurs, phase d'expansion, des pompes, je ne sais pas, des batteries, des échangeurs, il y a beaucoup de matériel. Calcul des émetteurs, dimensionnement du nombre d'éléments pour les radiateurs, les grilles chauffants, par exemple le pas et tout ça pour les planchers chauffants, les batteries aérotères, déterminer sur les débits d'irrigation et des vents de réglage, d'équilibrage et de régulation d'émissions, vent thermostatique, ce pas. Je fais mon cours de façon pratique pour bien commencer le domaine, je crois que bien utilisé au futur, Inch'Allah. On a au premier lieu, vous devez établir le schéma de principe. Le schéma de principe, c'est un croquis de réseau dessiné pour relier les zones de protection à les zones d'émission d'énergie. Puis, on démarre toujours par les distributions secondaires. La distribution secondaire, c'est le réseau entre les corps de chauffe, les émissions par les émetteurs, par exemple les radiateurs, les aérateurs, vers le collecteur. Le collecteur. Puis, on entend la distribution primaire. La distribution primaire, en général, est située au niveau de la chaufferie, où on a le chaudière, la pompe, la phase d'expansion, par exemple. On peut aussi avoir des pompes ou distribution secondaire. Au niveau de la chaufferie, on a la distribution primaire, puis sélection des équipements, les générateurs, les organes de sécurité, peut-être deux ou trois fois les circulateurs, vaste expansion et les autres organes d'annexe. Puis, on détermine la régulation centralisée, choix de régulateur, les thermostats statiques, si on a un local témoin de ça. Puis, c'est les deux documents qu'il faut délivrer. Si vous êtes ingénieur en bureau d'études, c'est le délivré quantitatif et descriptif. C'est un tableau à des articles, par exemple, pour je ne sais pas. L'article de radiateur, par exemple, fourniture et pose de 20 radiateurs, je ne sais pas, en détail. 5 radiateurs de décélérant, 2 radiateurs de la puissance, le débit, par exemple, un article, autre article de pompe, de fourniture et pose d'une pompe, du débit, par exemple, 25 litres par seconde. Et HMT, je ne sais pas, 150 mètres colon, millimètres colon d'eau, là, je ne sais pas. C'est comme ça, on avait le débit quantitatif descriptif. Et la fin, c'est dessin des ouvrages à exécuter. C'est le plan d'exécution AutoCAD qui fait le réseau de distribution, la location des chaufferies, la location de tout ça. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Non, vous entendez bien. On continue.
Oui, monsieur. Oui. Puis on entend l'architecte une installation de chauffage. Bon, on s'intéresse beaucoup plus pour les installations de chauffage. À eau chaude, à basse température. La température est inférieure à 110 degrés et la pression de surface inférieure à 4 bar. Parce que les plus répandus, d'autres cas, c'est des cas, par exemple, le chauffage central, par exemple, pour l'université, comme l'USTHP. On ne peut pas parler d'installation de chauffage de basse température, de haute température. On a une chaufferie principale, une chaudière qui alimente tous les blocs à température élevée. Puis, à chaque bloc, on a sous station. Normalement, je ne connaissais pas l'architecte d'installation de l'USTHP, mais comme ça, on met dans les grands complexes, on met une chaufferie principale avec un grand chaudière, en général trois chaudières. Puis on alimente chaque sous-station de chaque bâtiment avec température plus, par exemple, 120, je ne sais pas le tour. Puis on met à chaque sous-station un échangeur qui diminue la température et qui échange les chaleurs. Par exemple, à chaque sous-station, on a le choc de départ à 90-70, puis on alimente tous les radiateurs. Bon, pour le schéma principal, on a trois zones, la production, la distribution et l'émission. La production, en général, c'est au niveau de la chaufferie. On a la chaudière, les thermostats, la chaudière, le pressostat chaudière, le brûleur, le système de régulation au niveau de production. On a les pompes, on a par exemple les collecteurs, on a les vases d'expansion et d'autres éléments annexes. On a la distribution. Dans la distribution, à partir de collecteurs, on parle de la distribution. On a les ventes à voie, les pompes de distribution, on a le système de régulation, tout ça dans le système de régulation de distribution. Chaque zone a sa propre système de l'émission. On a soit les radiateurs, soit les aérateurs. En général, c'est les radiateurs. On a les ventes de voie. Les ventes de voie de régulation, soit automatique, soit thermostatique, soit motorisé, qui régule avec régulateur, qui commande cette vanne avec d'intensité progressive d'ouverture ou de fermeture de radiateur. On a aussi les vannes de calibrage. On voit tout ça dans les cours suivants. Les émetteurs ou les cours chauffe. Bon, on a deux types de cours chauffe suivant le mode de diffusion de chaleur. On a les émetteurs statiques et les émetteurs dynamiques. La seule différence, le statique, on a une convection naturelle, donc on n'a pas besoin des ventilateurs ou des machines roulantes. Le dynamique, on a des moteurs, on a par exemple dans les ventilo-convecteurs, dans les aérothermes, on voit des moteurs, donc on a une convection forcée. En général, dans toutes les habitations, les administrations, les hôtels, on voit toujours des statiques. Dans certaines usines, on voit des aérotermes. Bon, pour les ventilo-convecteurs, un système de climatisation à eau glacée et eau chaude, on a les ventilo-convecteurs, mais toujours, parce on vit dans un pays chaud, la puissance calculée pour la période estivale toujours est plus grande que la période de chauffage. Donc, on fait le calcul pour rafraîchir et à la fin, on fait le calcul si le pâtre est installé et donne une quantité de chaleur suffisante pour avoir la température ambiante désirée. Parce qu'on a dans les ventilo-convecteurs, on a le même échangeur, on a un vent de 4 voies d'inverser le circuit. En période estivale, on alimente par eau glacée
de régime 12, 7 degrés Celsius et rotor 12, au régime, en hiver plutôt, au régime en hiver. En hiver, c'est en allemand par eau chaude. En général, je résume que 90-70 dans les dernières années. La tendance est vers les chauffages à basse température. C'est le régime 80-60, 55-45 pour les planches chauffantes, tout ça. Bon Dieu, continue, on a le PC qui est éteint. Je veux une minute pour connecter. Est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez pas de vous connecter via l'email s'il y a des questions sur le modèle. Une minute, je rejoins le cours. Deux minutes, je veux continuer. J'ai allumé le PC. Reste pas grand-chose pour le premier cours.
Après le col, j'envoie le col. J'ai allumé autrefois le PC. C'est désolé, c'est un problème technique. Une minute, je continue le col. Bon, on continue le cours. Donc, on a dit que on a tout type de cours de chauffe. On a le statique et le dynamique. Statique, c'est les radiateurs. Dynamique, c'est les ventilateurs convecteurs. Et les aérothermes, on a expliqué que le statique utilisé en général dans tous les bâtiments d'habitation, d'administration, le aérotherme dans les industries, dans les usines. Ventilo-convecteur, c'est pour essentiellement pour la climatisation. Vous connaissez que les systèmes de climatisation sont conçus pour travailler aux périodes hiver que l'été. Donc, en général, en Algérie, la puissance fournie en été, c'est plus grand que la puissance fournie en hiver. Les radiateurs. On entend les radiateurs. Les radiateurs à eau sont des équipements dans lesquels circule de l'eau, appelés fluides galoporteurs. Chauffés à une certaine température par la chaudière, ils récupèrent les calories de l'eau chaude et transmises par convection et radiation à la pièce pour chauffer. On peut distinguer les différents types de radiateurs suivant deux critères. La température de fonctionnement,
Et suivant la matière de conception, suivant la température de proximité, il existe deux types, les radiateurs à haute température. C'est des radiateurs avec une température de fonction variant entre 70 et 90. On dit que les radiateurs à haute température, si sa température de fonctionnement est plus entre 70 et 90. Les radiateurs à basse température, c'est les radiateurs avec une température de fonctionnement ne dépasse pas 50, 60 degrés. Comparaison entre les radiateurs de basse et haute température. D'après vous, quelle est la plus grande? Les radiateurs à haute température ou les radiateurs à basse température? S'il vous plaît, répondez. Quel est le plus grand? À basse température. Pourquoi? Ah, je t'ai juste besoin de température que bien, par exemple. Parce que on a le loi de diffusion de chaleur, qui est en général un coefficient de diffusion de chaleur fois la surface fois différence de température, soit une différence de température arithmétique ou logarithmique. Dans les radiateurs à basse température, on a diminué la différence de température. C'est normal, on a le même charge à fournir, la même puissance à fournir dans la loque. Si fixe, c'est calculé à partir de la départition. Donc, on a diminué la différence de température. C'est tout logique. Pour compenser cette diminution, on bon, à comparaison, une installation des radiateurs de chaleur de cette matière à basse température nécessite moins d'efforts de la part de l'acheteur, ce qui réduit la consommation énergétique et vous permet de réaliser des économies d'énergie. C'est l'avantage principal des radiateurs. C'est le but. Le radiateur de basse température apporte également plus confort. Les études de recherche montrent que vous connaissez le phénomène de stratification des températures. C'est-à-dire l'air à température haussée c'est situé à la partie haute du local et l'air froid situé à la partie basse. Avec l'utilisation des radiateurs à basse température, on réduit ce phénomène. Donc, on a une distribution homogène des températures. C'est autre avantage de l'utilisation des radiateurs de basse température. Il va diviser une chaleur plus douce et plus homogène. En contrepartie, les radiateurs de basse température sont plus volumineux que les radiateurs classiques, comme ceux sont dits à haute température. En effet, avec un temps beaucoup moins chaud, il est logique qu'une surface de chauffe plus importante soit nécessaire pour apporter un confort de chauffe similaire, ce qui implique le coût plus élevé des radiateurs de basse température. J'ai fait la comparaison entre les radiateurs de basse et haute température dans ce tableau. On a les avantages. Les radiateurs de température moins volumineux, moins coûteux, inconvénients énergivores, consomment beaucoup d'énergie parce que fonctionnent avec un régime de température en général 90-70, qui implique beaucoup de pertes aussi au niveau de la distribution, au niveau, disons, de distribution le moins isolée. Bon, les radiateurs basse température, les avantages économiques à l'usage, plus homogénéité de la distribution et de la température intérieure, des inconvénients plus volumineux qu'à l'achat très élevé. L'autre critère de distinction, c'est le matériau de conception. On a trois types de radiateurs en fonte, en acier ou en aluminium. Bon, radiateur en fonte, c'est le plus traditionnel. Bon, l'utilisation un peu rare dans nos jours. Le principal avantage des radiateurs en fonte, c'est leur inertie thermique. L'inertie thermique, c'est la caractéristique de conserver
l'énergie dans le matériau. C'est le MCP, c'est la capacité calorifique à pression constante, CP. La fonte est un matériau très dense. Elle est capable d'accumuler de la chaleur pour la restituer plus tard, ce qui permet de diminuer le temps pendant lequel le chauffage consomme la combustion. En effet, même à terme, on a monté la radio continue d'y mettre la chaleur dans la pièce. En contrepartie, la montée de température dans la tête en fonte est longue. Dans le premier démarrage de chauffage, je ne sais pas, octobre ou novembre, le temps ici sert pour avoir les conditions nominales de fonctionnement est très long. Parmi les inconvénients, on peut également citer la masse importante du radiateur et son coût. Plutôt élevé, le radiateur en fonte est un radiateur de référence il y a plusieurs années, mais aujourd'hui, son fonctionnement nécessite à haute température. Le radiateur en fonte fonctionne avec des chaudières à haute température. Seulement avec ces chaudières. On y a que les utilisateurs font d'autres matériaux comme l'acier ou l'aluminium bien plus compatibles avec les chaudières de la nouvelle génération des chaudières à condensation. C'est une nouvelle génération des chaudières qui est aussi un complément de forte capacité en eau et difficile à régler. Les inconvénients des radiateurs en fonte. C'est le plus traditionnel qu'on en voit dans les vieilles patterns. Bon. Radiateur en acier. Contrairement au radiateur en fonte, les modèles en acier sont plus réactifs, le monte de température est plus courte, procurant ainsi un meilleur confort plus rapidement. Autre avantage, le radiateur en acier est moins lourd et moins coûteux qu'un radiateur en fonte. Il est donc facile à installer. Le radiateur de ce type, plus récent que le radiateur en fonte, il bénéficie donc en général d'un design plus attractif, l'inconvénient d'un radiateur et son manque d'énergie. Dû au matériau lui-même, mais aussi à la structure des radiateurs qui est dotée de parois fines, peu efficaces, peu stockées. La chaleur, cette faible énergie entraîne une baisse de température rapide au niveau radiateur lorsque la chaudière s'arrête. Est-ce qu'il y a des questions? Dans notre marché, il y a plusieurs types de radiateurs en acier. Il y a la longueur, il y a suivant la hauteur, suivant vos poussements, suivant vos contraintes architecturales. Par exemple, là, en général, on met le radiateur sous les fenêtres de mur extérieur. Des fois, on a, je ne sais pas, une salle de réunion où le mur est vitré. Vous avez 30 ou 40 cm, le choix vers un radiateur de hauteur de 20 cm et d'un longueur, je ne sais pas, de 2 ou 3 mètres. Bon, le radiateur en fonte. Le radiateur en aluminium. Le troisième type de radiateur à eau en aluminium est un bon compromis entre l'acier et la fonte. Avec ce radiateur plutôt réactif, la montée de température est rapide, ce qui accélère la mise en place d'une température de confort dans les pièces. L'inertie est moyenne, mais permet tout de même à la température du radiateur de redescendre progressivement une fois le chauffage complet. Le radiateur en aluminium a l'avantage d'être plus léger que celui en fonte et moins cher. Il est donc plus facile à installer. Dans les deux derniers radiateurs nationaux, on a deux types de concepts. Il y a un radiateur panneau enlevé, entouré, un poutre et deux correcteurs. Les radiateurs tubulaires peuvent être complétés à la surface d'émission. On a deux plaques. On a un radiateur à panneau enlevé, c'est-à-dire des radiateurs où on a des collecteurs à eau, l'arrivée des collecteurs d'eau. De retour, l'eau circule entre les deux plaques ici et les deux plaques ici. L'intérieur, c'est des îlets pour augmenter la surface, d'échange. Et d'autres conceptions, c'est ça, tubulaire, radiateur tubulaire. On a l'alimentation, on a le retour,
ton circuit dans tes tubes. Tu vois que les modèles anciens aluminium, c'est plus esthétiquement, c'est moderne, c'est le plus utilisé. Normalement, aluminium, c'est plus cher que l'acier et plus performant que l'acier. L'emplacement de radiateur. L'emplacement d'un corps de chauffe est incontestablement le voisinage des parois extérieures, en particulier les anverses. Le phénomène de paroi froide est ainsi limité et les infiltrations dues à la perméabilité des zones rondes sont immédiatement réchauffées. Par contre, les perforations vers la paroi froide sont importantes. Elles peuvent être limitées en insérant un panneau réfléchissant sur le revêtement moulant derrière. Par exemple, en lumière extérieure, on a des radiateurs. Les tablettes est néfaste pour l'emplacement des radiateurs. On met pour décoration une plaque ici, c'est pas un problème. Par contre, on recommande le phénomène de cheminée pour bien circuler l'air. Les tablettes ont un effet néfaste sur le rendement. Si, par exemple, dans cet cas, c'est E égale 1,5A, on a une chute de 35% de performance de radiateur. Pour dédier l'emplacement de radiateur et sur un mur extérieur, sur la fenêtre, ce qui assure une plus haute homogénéité, la distribution de la température à l'intérieur de la pâte. Des fois, vous avez des contraintes architecturales qui ne peuvent pas réaliser cet emplacement idéal. En général, vous avez une hauteur de 1,20 entre la fenêtre et le sol. C'est la hauteur que tu peux mettre votre radiateur. Modèle d'émission. C'est celui d'une canalisation cylindrique. Par exemple, on a le modèle de. Ça, c'est le modèle de modéliser la température d'une canalisation cylindrique située dans un local à une température intérieure θI. Et de façon TS, température du cylindre, égale θT plus TE, température d'entrée, moins TI fois exponentielle moins K. C'est le coefficient de transfert de chaleur linéaire fois L sur KV, c'est le débit, fois Rho, c'est Rho du fluide caloporteur, fois C, c'est les capacités calorifiques. Donc, la puissance transférée par cette canalisation, on peut créer par la formule suivante. C'est le dB fois ρ fois la capacité calorifique fois la différence entre la température entrée la plus chaude moins la température sortie la plus froide. C'est égal. Si on met des calculs de remplacement, on trouve ça. P égale K fois L. K, c'est la coefficient de transfert thermique par linéaire de canalisation, fois L, c'est la longueur, fois l'écart logarithmique moyen de température. Température entrée, moins température sortie, c'est la logarithmique népérienne de TE moins TI sur TS moins TI. Pour déduire cette relation. La loi d'émission de Richard RS. À cause de la constitution tubulaire en général des émetteurs courants, on extrapole la formule précédente de la canalisation au corps de chauffe en remplaçant le produit KL par K fois S au cas désigne le coefficient d'échange surfacique. Par transmission, S, c'est la surface d'échauffe des radiateurs. La puissance égale K fois S fois différence de température logarithmique moyenne. Bon, ça, c'est très, très facile, mais le problème, c'est de déterminer la valeur de K. K dépend de plusieurs paramètres, la vitesse de l'air,
la différence de pression, les phénomènes de transfert, sillonnement, conduction, les phénomènes, plusieurs phénomènes. Dans la recherche, en réalité, c'est très difficile d'avoir une solution analytique. On a ce que, par exemple, Inch'Allah, comme tout le monde peut voir, il faut trouver dans un problème de rechercher ces valeurs, c'est très difficile. Donc, les normes, par exemple, les normes européennes, on opte pour une formule, on prend la formule de Rachel et Rice. Cette norme européenne de 402 applicable à partir du 1er juillet 1997 prend cette formule, la puissance. La puissance. Si la puissance nominale est égale à la différence de température locale de la moyenne, c'est seconde. Puissance de 1. En laboratoire, on met, si on ne peut pas avoir une solution analytique, on prend une approche. On propose une formule et des conditions dépendent de C pour avoir une approximation, une formule qui donne des puissances approximation. Pour cela, les normes existent un point de C bien détaillé pour avoir les valeurs de puissance nominale seconde ces différences de température exigées entre l'entrée et sortie des radiateurs, la moyenne moins la température intérieure de l'appareil. Cette norme dit que on prend une différence de température fixe, un point d'essai fixe, ce sont des conditions fixes. On mesure pour ces conditions la puissance nominale des radiateurs, par exemple, et un coefficient 1, qui est pour les radiateurs toujours approximatif de 1,33. Puis, pour les ingénieurs, pour montrer dans les catalogues, pour terminer la puissance à installer si on a une différence de température n'est pas égale à 50. Bon, pour les radiateurs, un comprise entre 5 sur 4 et 4 sur 3. Pour les convecteurs, un comprise 1,1 et 1,6. Pour les branches chauffées, un est égal à 1. On peut déduire la valeur de Ks pour un régime partiel à partir de Ks nominal. À partir de norme DC, norme française ou norme européenne, les constructeurs établissent le catalogue pour différence de température locale de minimum moyen nominal égale à 50 et de coefficient de régime partiel de 1,3. C'est la variance de puissance. Par rapport à la différence de température et 1. En fait, le but est de normaliser pour n'entrer pas trop dans les calculs. La sélection de la carte par la méthode de Friedman. Dans la dernière norme européenne, l'écart local de moyenne de température a été remplacé par une différence arithmétique entre la température moyenne, entre l'entrée et sortie du fluide caliporteur et la température du local à chauffer. Dans la plupart des cas, on calcule la température moyenne localisée par une simple différence de température entre la température moyenne d'entrée et sortie du radiateur et moins la température intérieure de local de conseil, la température de conseil. Si
Pour une condition, si R c'est un coefficient, dégâts, température de sortie moins température intérieure sur la température entrée moins température intérieure supérieure à 0,5. Sinon, on doit appliquer le calcul moyen des températures. C'est pas le choix du radiateur. Choix de type de radiateur prenant en compte l'encombrement, coût de disponibilité sur le marché, etc. On déduit la puissance nominale, delta T nominal est 1. Calcul delta T réel, calcul puissance réelle d'un élément sur la condition de delta T réel, calcul le nombre d'éléments installés dans le cas à chauffer. Exemple. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Tout est clair. Exemple. On considère qu'un local a chauffé et sa température est égale à 2070 watts et sa température de consigne intérieure égale à 20 degrés Celsius et que le régime de la chute utilisée est de 70-90 degrés Celsius. Par exemple, entrée 90, le sortie 70. La première étape est de calculer la température moyenne de la surface des radiateurs et de 80 degrés Celsius. Deuxième étape est de déterminer delta T. Température moyenne des radiateurs, ma température intérieure dégage 60 degrés. Troisième étape, prendre le catalogue des radiateurs, installer le catalogue blitz des radiateurs en aluminium et on fait le choix dans le tableau ci-dessus. On a pour delta T à 60 degrés Kelvin un élément dans 186,72 watts. On calcule le nombre d'éléments nécessaires pour la formule suivante. Nombre d'éléments est égal à départissement par local sur l'énergie fournie par un élément. 2000 40 186,72, 10,91, on prend 11 éléments. Donc, notre radiateur constitué de 11 éléments de la marque US font des tas de type 700 sur 80. Donc, le catéter n'apparaîtra pas dans le tableau. On calcule la puissance cédée par un élément par la formule suivante. Q est égal à P fois T1. P1 donné par le constructeur. Je vais vous montrer un exemple de radiateur. Calculer à partir du catalogue, on a calculé le Q est égal à 7 coefficients fois delta T. Fois le coefficient donné par le constructeur, on trouve 186,76, 94, c'est presque la même, 186,72, presque la même puissance. Donc on a le même résultat. On peut appliquer, par exemple, les formules données par le constructeur parce que c'est plus évident. Donc, on calcule R. R, on trouve dégâts 0,71 4. On peut travailler avec delta T arithmétique. On retrouve ça sur la séance T. On fait plusieurs exercices. C'est un très simple exemple avec un catalogue qui donne tout. En général, les catalogues ne donnent pas comme ça. Le catalogue donne delta T, 50 pour delta T 50, qui est exigé par le nom, donne la puissance pour un élément, 146,6, et donne la valeur de la puissance. La valeur de la puissance. Par exemple, c'est ça le nom exige. Ça, c'est des informations supplémentaires données par le constructeur.
Mais en Algérie, toujours, on trouve, par exemple, tel tête est assez grande. On a la puissance pour un élément et la puissance. Et la puissance 1. Et la puissance 1. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions sur le choix des radiateurs? Non. Si vous nous donnez par exemple comme ça, c'est watt par élément en delta T exigé selon le type. Le type de radiateur, le modèle, on donne profondeur, hauteur, matrix, longueur, diamètre de la corde, composante, c'est très important. Le poids par élément, la puissance par élément. Et le coefficient, par exemple, second secteur, on donne la formule qui sont déterminés expérimentalement dans son laboratoire, dans des conditions régies par un nom européen bien précis, et donner les valeurs pour calculer la puissance d'un élément de radiateur dans notre Delta-T qui a donné. Delta-T dépend en général, c'est dépend le régime du chutière. Par exemple, on a un chutière traditionnel 90-70, on peut avoir 80-60, on peut avoir 45, 55, 45. Dans les dernières normes européennes, on en voit la différence de température de protection ne dépasse pas 10, 15. Ça dépend de l'utilisation du radiateur avec plancher chauffant. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Vous comprenez le choix du radiateur? La semaine prochaine, on fait des exercices de sur ça. Est-ce qu'il y a des questions sur les radiateurs? Non, messieurs. Oui. On passe par la régulation d'émetteurs statiques. Bon, pour les radiateurs, on met en général des vents devant. On peut avoir des vents dans le vent, mais très rare. On parle de régulation des émetteurs statiques des radiateurs, les équipements, mais sur les radiateurs, pour réguler ce radiateur. Réguler dans la zone d'émission. Oui, les caractéristiques des rançons. Les caractéristiques, ce qu'ils trouvent sur les catalogues. On a différentes caractéristiques, par exemple, diamètre nominal de la vanne. On a D1,16, D1,25, D1,40, etc. On a la pression maximale de résistance, P1. De la pression de la cadre, exemple, P1,40. Si on dépasse cette pression, on a une infiltration dans l'eau. On perd l'étanchéité de la cause. H100, c'est-à-dire la cause totale de la vanne ouverte 100% ouverte. Par exemple, on dit le débit à H100 est égal, c'est-à-dire le débit qui est transféré par la vanne si la vanne est ouverte à 100%. KV, c'est une très importante caractéristique, c'est ce coefficient indique le débit en mètre cube par heure. Pour une perte de charge égale à un par une température d'environ 4 degrés Celsius. Cet paramètre,
On utilise généralement pour calculer la perte de charge, d'une voie. KV1, c'est la valeur de KV si la vanne est ouverte à 100%, valeur indiquée sur le catalogue. KV0, c'est le débit de fuite. Des vannes fermées représentent généralement le débit de fuite donné en pourcentage de KVH. Pour une vanne neuve, le KVH doit être inférieur à 0,05%. Bon, c'est en général, on a toujours une fuite de vanne, mais cette fuite ne doit pas dépasser 0,05% du débit nominal. Pression maximale admissible pour le corps de vanne, suivant une température donnée. Elle varie avec la température. Delta P max, différence de pression maximale admissible pour laquelle la vanne fermée restera étanche. Delta PV 100 max, différence de pression maximale vanne complètement ouverte, 100% dépasse, cette pression passerait des problèmes de bruit ou d'usure prématurée. Température limite de fonctionnement, limite de température de million où la vanne ne fonctionne plus normalement. Aucune fission KV est donnée par la relation suivante. Par exemple, vous avez le débit passé par la vanne de voie. Vous avez delta P, c'est-à-dire la perte de charge de vanne. KV est le débit pour une perte de charge de 1 bar. Q est le débit passé par la vanne. L'autorité d'un vase, c'est une caractéristique hydraulique. C'est une caractéristique hydraulique des vannes en général deux fois ou trois fois qui dépend de perte de charge, des réseaux et de la vanne lui-même. Il calcule de cette façon. A est égal à delta P vanne sur delta P vanne sur delta P réseau. Le valeur optimale de A est varié entre 0 et 1. Mais si A inférieur à 0,33, on a un phénomène, ce qu'on appelle le phénomène de pompage. La vanne ouvre et ferme plusieurs fois. Cette vanne, on dit une vanne motorisée, qui est gérée par un régulateur suivant une température ambiance, soit une vanne thermostatique qui est automatique et géré par un capteur qui mesure la température dans le local à chauffer. Bon, si on a une delta sur une autorité inférieure à 0,33, on a le phénomène de pompage qui détériore la vanne, le moteur de la vanne et la pompe. Overfermé, trop. Détériorer les matériaux. Si on a A supérieur à 0,6, à 0,7, on a mal. La vanne ne fonctionne pas d'un bon fonctionnement de régulation. Parce qu'on utilise ces vannes pour réguler la quantité de chaleur cédée dans un local. Si on a une autorité supérieure à 0,6 et 0,7, cet fonctionnement est perturbé. On voit par suite l'utilisation des autorités. Le calcul d'autorité pour les vannes de voie, delta P vanne doit être égal à delta P de réseau, de limite de radiateur. Par exemple, vous avez un radiateur, par exemple, vous avez un réseau bi-type, deux types, type aller et type retour. Vous avez l'émetteur radiateur qui a par exemple 3 ou 4 mètres colonnes de perte de charge. La perte de charge de vent doit être égale à celle de radiateur. Donc, TTPV égale de 3 à 4 mètres colonnes d'eau. Donc, il faut prendre en considération cette valeur de TTPV.
dans le choix des pompes. Est-ce qu'il y a des questions? Un autre dit doit être compris sur 0,33 et à 0,7, je parle de la solidité et 0,5. Le problème se pose dans la régulation. C'est ça. La fermeture des vannes en général ne dépend. Le but d'avoir une fermeture, par exemple la vanne fermée à 50%, ouverte à 50%, le radiateur donne la chaleur égale à 50% de sa puissance totale. C'est ça le but. Vous avez compris? Le but d'avoir une régulation linéaire. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Dans la réalité, la puissance avec le débit n'est pas une ligne, mais des courbes qui dépendent de l'efficacité de l'échangeur. C'est ça l'efficacité de la température entrée, ma température sur température entrée, ma température ambiante et locale. Et dominant, il faut avoir une efficacité supérieure à 0,2. 0,2, supérieur à 0,2. C'est pour les chauffages à basse température, on a une efficacité de 0,66. 0,66. Donc, on a mieux réglage. On doit avoir mieux réglage. Mais avec le régime traditionnel, on a une efficacité de 0,28. Donc, pour avoir la régulation souhaitée et la puissance dépend du degré d'ouverture de vanne. Il faut choisir une vanne qui a des caractéristiques des courbes de la sens inverse, qui a la sens inverse des courbes des puissances par rapport au début, qui est aligné de sens inverse. On va voir dans les. Par exemple, en général, on a trois types de variations de débit de vanne par rapport au réglage. On a le caractéristique linéaire, quand on ouvre par exemple à 50%, le débit passe à 50%. C'est pas souhaitable dans les installations de chauffage. Mais ça, c'est bien. La caractéristique quadratique, c'est le débit varie de façon quadratique avec l'ouverture des vannes. Par exemple, l'ouverture des vannes à 10%. Le débit est varié avec 10% puissance 2 du début ouvert. C'est ça. Et on a le caractéristique équal pourcentage. Équal pourcentage, c'est-à-dire, si on ouvre 10%, le débit traversé la vanne est égal à 10%. Si on ouvre 50%, le débit traversé, c'est égal à 50%. Bon, c'est l'effet de. C'est un vécu qui montre l'effet de l'autorité sur la quantité, sur le pourcentage de débit traversé par rapport au carré. Ce n'est pas important pour notre cas. Si l'ensemble des conditions sont remplies, la variation sera quasi linéaire. Bon, par exemple, on a le débit par rapport au réglage. C'est on ouvre, par exemple, il faut avoir une compensation de type de vanne
et l'efficacité de l'échangeur pour avoir une linéaire. Par exemple, on a une valve qui a caractéristique équipourcentage avec un radiateur qui a une efficacité 0,6. On peut avoir à la fin une puissance par rapport au réglage était linéaire. La variance de la puissance par rapport au réglage est une fonction linéaire. Est-ce qu'il y a des questions? Vous avez compris? Pour cela, il faut bien choisir le type des vannes, qui marche avec votre camp. On choisit un des vannes de voile dont les caractéristiques coefficients de vannes KV en fonction de la course de l'écart et incurvé en sens inverse de la courbe de la fonction. Ce qui exclut les vannes à soupape conique, O2P. Les vannes à caractéristiques quadratiques sont conseillées pour les radiateurs en alliage aluminium O2P à l'as. On préfère des vannes à caractéristiques équatoire pourcentage pour les radiateurs fonte ou panneau en acier. C'est bon pour. On fait les TT dans la semaine prochaine. C'est bon. Est-ce qu'il y a des questions? C'est les vannes à devoir. Ensuite, on a les vannes thermostatiques. Généralement, la sonde de température au pile thermostatique, c'est ça la vanne thermostatique. Elle est située sur le haut du radiateur. En général, on a un gaz dans ce pull sur avec la température. Avec la température ambiante et ferme et fermée. Le passage d'eau. S'il y a de froid, elle est ouverte. Parce qu'il y a ce qu'ils compressent et laissent l'eau entre la radiateur. Généralement, la sonde de température au pipe thermostatique est logée dans la poignée de la vanne. Cette sonde est composée d'un liquide, d'un gel ou d'un gaz qui se dilate ou se contracte en fonction de la température qui l'enverra. Des repères de consigne sont repris sur la poignée de la vanne. En général, la consigne d'avant correspond à plus ou moins 20 degrés et l'étoile à maintenir en gel. La position du grappin de réglage est déterminée par l'équilibre entre la poche de gaz et la ressort de rappel. Lorsque la température mesurée est inférieure au point de consigne, le pull thermostatique se contracte. Le ressort entraîne l'ouverture du grappin de réglage et le débit est commandé dans le radiateur. L'inverse se produit quand la température mesurée est trop élevée. Par exemple, l'emplacement des vannes thermostatiques. Les vannes thermostatiques doivent mesurer la température la plus représentative de la température réelle de la vanne. La tête de la vanne comprenant l'élément thermostatique ne doit pas être échauffée par le corps chaud ou peut opérer comme influence parasite. Par exemple, les coins de mer, les chaussées, c'est le ventre du radiateur ou des radiateurs, un radiateur épais, des tablettes de cache décorative, des tentures. Si les conditions adéquates ne sont pas réunies, il sera nécessaire d'utiliser des vannes thermostatiques avec pipe à distance. Par exemple, on jamais mis la vanne thermostatique sur les radiateurs, mais à côté des radiateurs pour avoir. Si on a une cage décorative, on choisit une vanne thermostatique avec une sonde extérieure de température. C'est le même cas. C'est bon. C'est bon pour aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions? En général, on utilise les vannes de voie pour des réseaux de chauffage avec utilisant des pompes à variateur de vitesse. Parce que s'il y a beaucoup de radiateurs qui sont installés dans un local où la température de ce local atteint la température consignée, c'est-à-dire les vannes fermes. Si on a une pompe traditionnelle sans variateur de vitesse, le débit chute et puis
La pompe fonctionne vite et la moteur de cette pompe chauffe et détériore. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Vous pouvez répondre s'il vous plaît. Non, monsieur, non. C'est clair, ou non? Oui, monsieur. Bon, on va faire la semaine prochaine la séance de TD parce qu'on n'a pas le temps. Monsieur Bassin Delcourt par email. Oui. Ce qui n'était pas, je vous envoyais le cours par mail après le cours. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le cours, sur le chauffage, sur le... Faut comprendre la méthode de sélection des radiateurs. C'est pas tout, c'est un exemple très simple. On voit plus de détails, plein de calculs dans la séance de TT. C'est pas simple, c'est pas assez simple déjà. Mais si vous comprenez la méthode de, cette méthode de choix, vous êtes capable de choisir n'importe quel matériel de chauffage, matériel d'émission de chauffage. Vous avez étudié les pompes à variateur de vitesse? Ça, c'est un catalogue français, donc plein d'informations, mais ce n'est pas le cas pour tous les catalogues, parce que les normes exigent que vous fourniez cette valeur pour un élément à delta t égal à 50 et fournirez le m, la puissance m. C'est ça les normes qui existent. Ça, c'est un très bon marque italien normalement. Italien, c'est pas français, mais le catalogue est destiné pour la France, qui donne plein d'informations. Par exemple, c'est ça les normes 441. Et la puissance thermique du client, sont conformes à la norme européenne. C'est des normes récentes. Est-ce que vous comprenez les autorités? Les constructeurs de voiles donnent en général soit des courbes, soit des tableaux qui donnent le carré. Le carré d'une voile. Bien sûr, vous avez vu que le carré, vous pouvez déterminer le delta P, créé par la voile. Et puis vérifier l'autorité. Si l'autorité est comprise entre 0,33 à 0,7, c'est bon. Si elle est inférieure à 0,33, là peuvent créer des phénomènes de pompage si delta P est supérieur à 0,7. On ne peut pas avoir un décalage souhaité. Donc, il faut prendre le delta PV en considération calcul des pompes. Parce qu'il y a des fois dans des installations, et pour propagation, il calcule pour radiateur égal 1, je ne sais pas, 1,5 mètres colonnes. On choisit le voile et ne pas prendre en considération son père de charge. Et après la fin d'installation,
Il dit que l'eau, la radiateur ne chauffe pas parce que, bien sûr, ça ne veut pas prendre en considération la perte de charge. Une autre chose sur le choix de radiateur. Après le choix du radiateur, il y a après le choix du radiateur. Par exemple, le calcul de déperdition, vous avez calculé la déperdition et trouvé que les dégâts, par exemple, 2000, comme c'est le cas, par exemple, déperdition, 2070 watts. Après le choix, parce que le choix est fait d'une façon approximative. Par exemple, il faut trouver 10,92. On choisit 11. Tu fais l'opération de 11 fois la puissance d'un élément, il faut trouver par exemple, je ne sais pas, 2100. Dans les étapes suivantes de calcul de projet, oubliez 2070 watts. On travaille toujours avec 2100. La puissance a installé pour livrer sa dégré, s'il n'y a pas de questions, on finira le call. On retrouve la semaine prochaine. Retrouve. C'est bon? Charles. Ah, ok. Bonne journée, c'est bon.